Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur les cours. Vous voyez, vous avez devant vous un groupe d'étudiants congolais, présidents à National de Congolais. Nous faisons cette vidéo juste dans le but de vous faire part de notre situation, la situation à laquelle nous sommes confrontés au jour d'aujourd'hui. Nous avons eu à voir des vidéos sur Internet où on a pu voir nos frères en Russie ou de part d'autres revendiquant la bourse. Et cette situation ne nous laisse pas indifférents. Parce que nous, de même, nous faisons partie de ceux qui souffrent aujourd'hui de cette situation de la bourse. Il y a de cela 4 à 5 ans, on était encore au Congo, quand l'État avait besoin de nous. L'État avait besoin d'un médecin ou des étudiants pour aller faire médecine, pour aller chercher médecine. Nous nous sommes portés garants afin d'aller étudier pour servir le pays le lendemain. Mais depuis que nous sommes arrivés dans ce pays, il n'y a qu'un seul problème qui nous met quasiment à terre chaque jour, c'est la situation de la bourse. Tous les jours, nous sommes confrontés à cette bourse. Depuis que nous sommes arrivés, depuis 2013, 2014 pour certains, 2016 pour d'autres, nous ne faisons que parler d'une seule chose, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse. On ne comprend pas réellement ce qui se passe avec notre bourse. Avant qu'on arrive sur place à Cuba, quand on était encore au Congo, ceux de la première génération ont eu à passer 7 mois sans recevoir leur bourse. Au Congo, on nous a fait comprendre que c'était un problème dû au mauvais environnement de l'argent, l'argent qui est passé chaque jour au ministère de la Santé de Cuba. Mais quand nous sommes arrivés sur place, on a compris que c'était faux, c'était juste le mensonge. Que ces gens-là ne recevaient pas leur bourse parce qu'un certain nombre de personnes s'étaient décidées de bouffer leur argent. Nous, en 2014, nous sommes arrivés, nous sommes confrontés au même type de problème. Nous avons passé quasiment 6 mois sans recevoir la bourse. La première génération a passé 7 mois, nous avons passé quasiment 6 mois sans recevoir la bourse. Quand les autorités sont arrivées, les autorités nous ont rassuré qu'une situation pareille n'allait plus se reproduire. Mais quelques mois après, comprenez-nous, il y a un groupe de personnes qui arrivent pour nous payer et on nous paye 2 mois. Ils nous l'ont fait 4 fois. Nous, personnellement, tel qu'on s'était entendu à Brazzaville avec le ministre avait dit la bourse était trimestrielle. Mais ils nous ont payé 2 mois, 4 fois. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous dire ces choses-là parce que ça nous fait mal. Chaque jour, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. On est fatigué. On les a dit, on les a parlé, ils ont compris, ils ont dit prochainement, ils vont faire ça, ils vont nous payer notre bourse régulièrement. Mais l'année 2017 s'est écoulée, l'année passée, nous n'avons perçu la bourse qu'une seule fois au mois d'avril. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation de 18 mois impayés. 18 mois sans obtenir une bourse, mettez-vous à notre place, chers frères et sœurs congolais. Essayez de comprendre que 18 mois sans obtenir la bourse, une personne peut devenir folle. Et surtout que nous étudions une carrière très difficile qui est la médecine. La médecine est une carrière qui nécessite la concentration. Quand on n'est pas concentré, on ne peut pas étudier. Pour être concentré, il faut avoir au minimum moins de problèmes. Mais quand l'État congolais arrive à nous causer des problèmes à travers nos bourses, l'État congolais arrive à nous mettre des bâtons dans les roues, empêchant qu'on étudie. Vous êtes sûr que comme ça, on peut former les bons médecins? Aujourd'hui, nous avons passé 18 mois sans bourse. Il y a des filles congolaises qui sont avec nous, qui doivent normalement acheter des produits de première nécessité. Vous savez de quoi nous parlons? C'est avec quel argent qu'elles vont acheter ça? Ceux qui n'ont plus de parents, ceux qui sont aujourd'hui orphelins de père et de mère, c'est avec quel argent qu'ils vont pouvoir survivre? Et n'oubliez pas que nous vivons dans un pays où nous sommes sous embargo. Et ce pays a des lois très strictes. Ici, on n'a pas le pouvoir d'exercer un petit métier, je ne sais pas quelque chose, bon, je ne sais pas quelque chose pour s'en sortir. Rien que se connecter, il y en a sans problème. Ce n'est pas par exercer un métier qui sera un truc facile. Donc du coup, il n'y a que l'argent que l'État congolais nous paye qui nous permet de subvenir à nos besoins. Si l'État nous paye pas l'argent, on ne pourra pas subvenir aux besoins. Et ça nous met dans une tâche difficile. Ça affecte nos études. Ça fait en sorte que certaines personnes ne puissent pas aller à l'école. Je vous rappelle qu'on n'est pas au Congo, on est à l'extérieur. Et ici, quand quelqu'un ne fait pas à l'école, 20% d'absence, on enlève le délai, c'est-à-dire on enlève le droit à l'examen, c'est-à-dire tu ne peux plus te présenter à l'examen, tu perds le droit. Quand tu perds le droit à l'examen, facilement tu peux rater l'année. Quel est le parent là qui acceptera
qu'aujourd'hui son fils paye à l'année par ceux, son fils n'a pas pu avoir l'argent pour aller à l'école. Nous, aujourd'hui, on s'adresse à vous, autorité congolaise, avec tout le cœur que vous avez, avec cette force-là que vous avez de gérer le pays. La seule chose que nous voulons, c'est d'arranger notre situation. Nous voulons que notre situation s'arrange. On ne veut plus crier chaque jour au effort qu'on n'a pas la bourse, qu'on n'a pas la bourse, qu'on n'a pas la bourse, qu'on n'a pas la bourse. C'est pas normal. Et dernièrement, il y a eu des autorités cubaines, il y a eu des gens qui nous ont fait comprendre que même notre scolarité, l'État peine même à payer notre scolarité. L'État a du mal à payer l'argent pour qu'on étudie. Il faut qu'on dise la vérité, quand il faut le dire. Donc nous, on arrive à comprendre ici qu'on étudie. C'est, je ne sais pas, à bon coup, ou je ne sais pas comment c'est sûr, on a du mal à payer, que ce soit la scolarité, notre point sanitaire, notre bourse, donc tout est payé par difficulté. On nous paye difficilement, on paye les Cubains difficilement. Moi, je sais quel genre de médecin que l'État congolais va avoir le lendemain. Nous, on ne veut pas aller tuer les gens là-bas au Congo, on veut servir le pays. Nous lançons un message maintenant à toute personne qui va suivre cette vidéo en ce moment, que la personne soit apte à transmettre le message à qui de droit, afin que notre doléance arrive à la personne qui est censée normalement changer notre situation, et que prochainement cela ne se répète. Donc en ce qui concerne tout cela, je n'aimerais pas monopoliser la parole, parce qu'il y a des autres qui ont des choses à dire aussi. Donc je passe la parole directement à un ami, qui est un ami à moi, un médecin comme moi, qui va dire ce qui vient de son cœur et ce que lui emporte la situation. Merci, je vous remercie. Donc, si vous n'avez pas besoin de formation, il ne va pas se former bien, il faut ni, il faut que vous pour la mission en bourse. Nous avons besoin de bourse dans la mission d'étudier. Pour moi, il y a la mission. Voilà pourquoi quand il y a l'homme. Pour moi, il y a la mission. Mais mon bon, c'est là mon côté, il y a des états pour moi. Maintenant, il y a pas de mission à Cuba. La mission va révéler. Premier ministre, il y a la mission à révéler. Ministre, il y a la mission à révéler. Et maintenant, tout le monde a la mission qui est toujours ma vélo, c'est le ministre à l'attaque. Tout ça, il y a la mission. À Cuba, il y a la mission à la mission. Votre obsession, il y a la mission à la mission. Au point de la casse, il y a des bichots qui ne veulent pas offrir la terre. Bateau à ça, la question offrir la bichot. Nini, vous nous dites ça, nous ne pouvons pas la bichot. Comment est-ce que la bichot est la bichot? Bon, on sait que la bichot, mais bêtise, vous proposez la bichot pour la nuit. Vous proposez la bichot pour la nuit. Comment est-ce que la bichot? Vous avez ça pour la bichot vraiment, la mounale, on a monté ma cause en allée là. Tout ça en allée. Dans la bichot, vraiment, quand c'est la bichot. Bah, la bichot, c'est là qu'il y a qui va. On va acheter des bichots qui vont continuer à prendre la bichot à 4 avec ma chute. Pour démontrer que nous avons mais bichot, on va voir. On va voir, 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 on nous sommes à la casse que la prenante et tu as fait la part de la meilleure chaîne. Bon, tu n'as pas de la vie, donc tu vas prendre la meilleure chaîne. Bah,
est-ce que Joshua a été? Non, on a examiné par son ami. Joshua a été. Est-ce que Joshua a été? Vous pouvez par son ami. Bon, c'est tout ça. Joshua, mon ami, comme. Vraiment, au mon octobre, moi, la vidéo, et ça là. La Russie, et ça là, partout, la Congo, dans n'importe quelle partie, à payer, à nous conseiller de message dans le futur. Voilà, voilà, voilà. Vraiment, merci. Oh, le Congo, un petit pays, mais puissant. Tata maman, vous avez dit, ok, étudiant congolais de médecine à Cuba, pour mon petit vie, mon tali, belle match aussi. Tata maman, maman, nous, nous sommes allés avec un membre à la bourse. La quête membre est mou. Ça fait de cela 4 jours, avec ma carte à boire à Cuba, parce que nous avons étudié médecine. Médecine, nous avons plus étudié, nous avons plus étudié, nous avons étudié pour la Cuba, la quête santé, nous avons étudié dans le Congo, nous avons aidé le peuple congolais. Mais la tata maman, la femme de la ville, voilà, 4 ans déjà. Mais tu sais, quand la situation est traumatisée, la situation est 12. 4 ans. Vous voyez, la cage à Villiers, la cage à moi à Marseille, avec le soir à moi à Ville. Une permission pour qui ça 18 mois, 112. Mais n'en pas qu'à moi en 2017, 6 mois en 2018, il y a que ça là, une année, 12 mois consécutifs. Son môme, il n'a pas besoin d'un mais il n'a ni centre, ni passe, ni môme, ça m'a foutu dans le coin, ça m'a foutu du sang dans l'école, ni ça m'a ni môme, il a reçu ma part, il a qu'il est. Ma tête à ma maman, mais tu vas le faire, mais tu vas le faire, 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 tu vas dis pas, vous n'avez pas remarqué que quelqu'un a 10 fois, dis pas que quelqu'un a 10 fois la terre dans la terre, il y a une terre dans le Congo. Pas remarqué que quelqu'un dit pas, moi c'est 10 fois la terre dans le Congo, il y a une terre. Mais il y a une terre au-dessous, dis pas. La terre de ma mère, il y a une terre au-dessous. La terre au-dessous, ma mère dit, passe. La terre au-dessous, dit pas, passe. Mais nous, on va prendre la papa pour tout le monde. Mais nous, on va prendre la magie pour tout le monde. Ma tenue, la terre au-dessous, ma tenue, mais nous, pour défendre, nous défendre. Ma part, nous, mais fil avec vous déjà, qui a dit ça, pas vous dire avec même miel. Même qui miel, on fout ma yance. Passe, ça me l'amour. Là, vous soyez avec moi, mon nom, la parole de Poutine, la même, quand même, vous savez, la collègue de Poutine. Vraiment, même la passe. Vraiment, mais ça, j'ai pour vous faire ça, on a beaucoup mieux. Mais il y a le Congo, il y a le monde entier, il y a un couvent de la Chine, Russie, France. Là, vous avez un message, il y a un petit serre, on parle de l'autre, ça me va pour. Il dit la même chose, je vais aller avec lui. Mais pour finir, je vais vous dire. Mais peut-être que c'est un homme de la même parce que vous voulez m'appeler. Mais toujours la boutique dans ma commission, c'est bien. Mais peut-être que c'est un homme de la commission, mais tout pour passer là, mais tu dois lever la cache à vous aller. Mais tu es là pour ça, la cache à vous aller. Maman, vous pouvez faire la question dans ma vidéo, et non, peut-être que les étudiants, comme on est pour ça, la vous aller. Mais tu es là pour ça, la vous aller. Maman, vous pouvez faire la question dans ma vidéo, mais quand vous montez, vous pouvez faire la question pour moi, sur l'ambassade, vous. Mais tu veux que tu sans que tu puisses trouver dans l'étudiant et son père. La personne n'a pas la vidéo de Congo. Mais tu crois que seulement, donc moi, on a la prière, on a la. Le président nous a proposé, je voudrais que ma mère. Mais ma mère, nous sommes jamais permis de faire la. Donc vraiment, il faut couper sa message. Dans l'état congolais, sans, pas pour recevoir rien. Bah, ou vraiment, il dit que vous avez le sans, pas pour bonus à ma mère. Quand il me va aller à la chose. À tout le monde.